Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une série de 4 vidéos sur des huiles essentielles qui ont des propriétés antivirales exceptionnelles. Et nous allons commencer par cette série de vidéos avec l'huile essentielle de Ravintsara. C'est un des remèdes les plus puissants pour combattre les virus, surtout quand cette huile essentielle elle est combinée avec d'autres huiles essentielles qui ont les mêmes propriétés. Sa biochimie est extrêmement complexe. La première chose qu'on sent, bien évidemment, c'est les oxydes. Il y en a environ 50% et les oxydes ont un effet expectorant. Il y a aussi des monoterpènes, environ 20%, qui sont des décongestionnants des voies respiratoires. Il y a également des esters qui ont un effet calmant, il y en a à peu près 10%. Et puis des sesquiterpènes qui ont des vertus anti-inflammatoires et des monoterpénols et des phénols qui sont des antiseptiques extrêmement puissants, surtout quand ils sont dans une même huile essentielle, ils sont combinés ensemble. Mais attention avec les phénols, ils peuvent être un peu dermocaustiques. Donc on va diluer cette huile essentielle avec d'autres huiles essentielles dans une huile végétale. Donc le Ravintsara est très indiqué pour toutes les pathologies virales, que ce soit la grippe ou bien la Covid, pour toutes les pathologies respiratoires également, sinusite, bronchite, pour les faiblesses immunitaires aussi, c'est une excellente huile essentielle à utiliser, et chose étonnante, pour les insomnies. Je sais de quoi je parle, et je mets une goutte sur le troisième œil avant de m'endormir. Le Ravintsara existe aussi en hydrolat, donc c'est aussi très intéressant de prendre l'hydrolat par voie orale. Vous mettez l'équivalent d'une cuillère à café dans une tasse d'eau chaude et puis vous pouvez boire ça 3 fois par jour. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous allez la partager et je me réjouis de vous retrouver dans une prochaine vidéo. À bientôt !